Salut à tous, bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité du Japon. Comme chaque semaine, vous retrouverez en bas les chapitres pour sauter vers la news qui vous intéresse et également les liens que j'ai utilisés pour faire cette vidéo dans la description. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ouverture des frontières pour les travailleurs étrangers avec visa et pour les étudiants. Donc, ça va être progressif, mais c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. On continuera en parlant de la Saint-Valentin, qui est lundi, et je vais vous expliquer la différence et les caractéristiques principales de la Saint-Valentin au Japon. Ensuite, nous parlerons d'un sujet un peu plus sérieux, mais une bonne nouvelle également c'est la modification de la loi concernant l'enlèvement des enfants. J'en avais déjà parlé il y a quelques temps, mais on en reparlera et vous verrez que ça a évolué dans le bon sens. Ensuite, je vous parlerai des fleurs de cerisier, donc les fameux sakula, dont la date de floraison a été annoncée cette semaine. Et nous terminerons par parler d'un film japonais, donc Drive My Car, qui est derrière moi et qui a été nominé aux Academy Awards aux États-Unis dans la catégorie du meilleur film. Je vous dis tout ça en fin de vidéo. Voilà pour les titres, alors comme d'habitude, une petite annonce rapide, vous vous souvenez d'Enchanté Erika, que j'avais interviewé sur ma chaîne, eh bien elle m'a également interviewé et la vidéo est disponible sur sa chaîne. Donc, nous discutons tous les deux des difficultés pour les Japonais d'apprendre le français et de quelques différences entre le Japon et la France. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à foncer sur la chaîne Erika pour voir cette vidéo. Première nouvelle cette semaine, quelque chose qui intéresse beaucoup de monde, je le sais, qu'on attend depuis longtemps, c'est la réouverture progressive des frontières du Japon. En effet, le gouvernement a annoncé cette semaine qu'ils allaient laisser rentrer avant la fin de ce mois-ci des travailleurs étrangers et des étudiants. La fermeture totale des frontières aux étrangers aux résidents devrait prendre fin le 1er mars, mais d'ici là, le gouvernement a annoncé qu'il allait laisser rentrer jusqu'à 1000 personnes par jour, hommes d'affaires et étudiants confondus jusqu'à cette date et que ce nombre de 1000 allait même être augmenté progressivement jusqu'à atteindre plusieurs milliers. Les personnes qui seront autorisées à rentrer seront bien sûr isolées pendant quelques jours et les écoles ou les sociétés qui les ont fait venir devront les surveiller. La priorité sera donnée dans un premier temps aux ingénieurs, aux chercheurs et aux étudiants qui ne peuvent pas terminer leurs études sans venir au Japon. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, il est aussi prévu de diminuer la période de quarantaine de 7 jours actuellement à 3 jours, voire moins, à condition bien sûr que les personnes aient reçu leur troisième dose. Et qu'elles aient subi un test de Covid négatif, évidemment. Enfin, le gouvernement a annoncé qu'il allait simplifier les démarches administratives à effectuer pour venir au Japon parce que la dernière fois que c'était ouvert, en novembre, pendant quelques temps, et eh bien les démarches étaient vraiment très très pénibles. Il y avait beaucoup de papiers et donc là, ça devrait être un peu plus simple, espérons-le. La décision finale et l'annonce officielle du gouvernement aura lieu la semaine prochaine, et le gouvernement a dit qu'il allait évidemment regarder la situation du Covid. Ce qui nous permet d'enchaîner justement sur la situation du Covid au Japon. Et eh bien la situation est très mauvaise, c'est même la pire qu'on ait jamais connue depuis le début de la pandémie. Il y a jusqu'à 100 000 cas de personnes testées positives par jour, alors c'était seulement 80 000 samedi, mais il y a également le nombre de morts qui augmente récemment depuis quelques semaines et eh bien il y a presque 100 à 150 morts par jour, ce qui fait que le Japon a dépassé la barre des 20 000 morts depuis le début de l'épidémie. C'est beaucoup moins qu'en Europe et que dans d'autres pays, mais c'est quand même une augmentation assez forte. On apprend aussi que 84% des personnes décédées du Covid ce sont des personnes âgées de plus de 70 ans. Et que le taux de personnes ayant reçu la troisième dose est seulement de 8% au Japon. Il faut dire aussi que la période de 8 mois entre la deuxième dose et la troisième dose fait que ben, beaucoup de personnes ne peuvent pas encore recevoir leur troisième dose. Par exemple, moi, j'ai reçu ma deuxième dose mi-septembre. Donc, pour l'instant, je ne suis pas du tout en mesure de recevoir la troisième dose, même si elles étaient disponibles. Donc, voilà. Le Japon était très en retard sur les deuxièmes doses, sur la première et la deuxième dose. Donc, forcément, ça décale tout sur la troisième dose, ce qui fait qu'on est en train de manquer un peu le pic d'Omicron où cette troisième dose aurait peut-être permis de éviter pas mal de cas graves et de morts. Bien, parlons maintenant d'un sujet complètement d'actualité, je veux parler de la Saint-Valentin. Donc vous le savez peut-être parce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les événements et les fêtes qui rythment la vie au Japon. Si vous ne l'avez pas encore vu, eh bien, allez la voir après cette vidéo. Eh bien, la Saint-Valentin au Japon, donc, c'est le 14 février, comme en France, mais c'est assez différent par rapport à la France. Eh bien, au Japon, ce ne sont pas les couples qui s'échangent des cadeaux, ce sont les femmes qui offrent des chocolats aux hommes. Pas à n'importe quel homme, normalement, c'est soit... À leur mari, à leur petite amie, si elles sont en couple, ou bien à l'homme qu'elles aiment pour faire une déclaration d'amour. Alors, les déclarations d'amour avec des chocolats, c'est plutôt pour les jeunes, hein, les collégiens, les lycéens, peut-être les étudiants, mais à l'âge adulte, c'est quand même assez rare. Donc, ça, c'est à la base, hein, mais maintenant, il y a beaucoup de sortes de chocolats. Et donc, beaucoup de personnes offrent des chocolats, pas forcément à l'homme qu'elles aiment, mais entre amis, donc amis hommes, ou même amis femmes, ou bien entre membres de la famille, ou à ses collègues par exemple. Donc, il y a trois types principaux de chocolat. Vous avez les Rummets Choco, donc les chocolats de vrais sentiments, on va dire, utilisés donc donnés pour la déclaration d'amour, donc plutôt pour les jeunes. Ensuite, vous avez les Guili Choco, donc les Guili c'est plutôt pour les collègues ou pour les professeurs. Par exemple, moi, hop, cette semaine, j'ai reçu des Guili Choco et je me suis régalé. Ensuite, vous avez les Tomo Choco, donc Tomo, c'est Tomodachi en japonais, ça veut dire ami, et donc ce sont des chocolats qu'on offre, hein, comme leur nom l'indique, aux amis, que ce soit des hommes. Ou des femmes. Pour revenir au guili de choco qu'on donne notamment à ses collègues, et eh bien il faut savoir que certaines personnes, 40% des employés, déclarent considérer ça comme une sorte de harcèlement parce qu'ils se sentent obligés de donner des chocolats à leurs collègues. Et il y a même certaines entreprises qui interdisent de donner des chocolats pour la Saint-Valentin parce qu'ils ont peur que ça crée des problèmes de relations entre les personnes. Tout le monde ne pense pas la même chose, hein. Il y a des personnes qui trouvent que, au contraire, ça permet justement de lier ou bien d'entretenir de bonnes relations entre collègues. Et pour terminer pour la Saint-Valentin, un petit peu d'histoire c'est arrivé dans les les années 50 au Japon, et eh bien les sociétés évidemment de chocolat ben, se sont dit que ça serait une bonne idée que toutes les japonaises achètent des chocolats. Et puis un mois après, donc le 14 mars, il y a le White Day. Donc White Day c'est le jour blanc, ça c'est arrivé dans les années 70 parce que eh bien, des fabricants se sont dit que ben, c'était dommage qu'il y ait seulement la moitié des japonais qui passe à la caisse. Ça serait bien de faire une autre fête où l'autre moitié passe à la caisse. Et le White Day, si vous ne connaissez pas, et eh bien c'est le jour où les hommes qui ont reçu des chocolats pour le 14 février et eh bien rendent un autre cadeau pour remercier les personnes qui leur ont donné des chocolats. En théorie, il faut rendre quelque chose qui est trois fois mieux que ce qu'on a reçu, mais dans la pratique, j'ai l'impression quand même que le y est beaucoup moins suivi par les hommes que la Saint-Valentin qui est très très suivi par les femmes. Alors évidemment, c'est une fête très commerciale ici, mais ça peut être quand même romantique. Il y a quelques magasins ou quelques restaurants qui font des choses un petit peu particulières pour la Saint-Valentin. Donc voilà, si vous oubliez de donner un cadeau à votre femme pour la Saint-Valentin au Japon... Normalement, ça ne causera pas de divorce. Et en parlant de divorce, un enchaînement un peu pourri, mais tout trouvé pour parler d'une modification de la loi concernant l'enlèvement des enfants. C'est un sujet évidemment beaucoup plus sérieux, hein, dont j'avais déjà parlé d'ailleurs dans le quatrième numéro du Petit Journal du Japon. Et eh bien, il y a une modification de la loi qui est vraiment bienvenue et qu'on attendait depuis longtemps. En effet, au Japon, jusqu'à maintenant, et eh bien, le fait d'enlever un enfant, donc de le déplacer sans l'autorisation de l'autre parent, c'était puni par la loi seulement dans le cas où un parent essaye de récupérer son enfant. C'est-à-dire que Lorsque le premier parent quitte le domicile familial, par exemple, avec l'enfant pour s'éloigner de l'autre parent, eh bien, ce n'était pas puni par la loi. Mais si ce parent essaye de récupérer son enfant, là, c'était puni par la loi. Donc c'était un peu le premier qui kidnappe à gagner. Donc c'était un petit peu une situation incroyable et qui a causé beaucoup de problèmes et qui en cause encore aujourd'hui. Mais heureusement les choses sont en train de bouger et le 3 février l'agence japonaise de la police a annoncé que tout déplacement d'un enfant sans l'autorisation des deux parents et sans motif valable évidemment serait considéré comme un enlèvement de mineur. Les cas où le déplacement serait valable sans l'autorisation de l'autre parent sont évidemment les cas de violence conjugale par exemple. Et la police a également annoncé qu'elle ferait beaucoup plus attention, qu'elle examinerait de plus près les déclarations de violences conjugales pour vérifier que c'est bien réel. Et un point très important, c'est que même si le premier déplacement de l'enfant a lieu au départ de la résidence familiale, eh bien ce sera considéré tout de même comme un enlèvement de mineur. C'est donc évidemment une très bonne nouvelle, mais j'en avais pas entendu parler la semaine dernière. Hein, dans aucun site internet que je regarde régulièrement, personne n'en a parlé. Donc heureusement que Aeklis et Siana, merci beaucoup. Me l'ont signalé dans les commentaires et apparemment ça a été publié donc sur la page Facebook de Info Local Japon et aussi sur le compte Twitter de François Roussel qui est l'élu des Français au Japon. Et j'en profite aussi pour remercier Vassilia et Jamelina qui la semaine dernière m'avaient envoyé des liens sur des actualités dont j'ai parlé dans le dernier numéro du Petit Journal du Japon. Donc n'hésitez pas. Si vous voyez des infos intéressantes, n'hésitez pas à me les communiquer parce que même si je suis l'actualité de près, eh bien, je peux passer à côté de certaines choses. Donc c'est toujours utile. Merci d'avance. Bien, on enchaîne avec les fleurs de cerisier, donc les fameux sakura. Donc peut-être que certains d'entre vous qui sont étudiants et qui attendent leur venue au Japon arriveront à temps pour les voir en pleine floraison. Et la floraison donc a été annoncée, prévue par l'agence météorologique japonaise. Chaque année, cette agence annonce donc ses prévisions pour le début de la floraison et pour la pleine floraison, et ce à plusieurs reprises. Donc cette semaine il y a eu la troisième prévision mise à jour, et comme il y a eu un climat assez froid, il a neigé il y a quelques semaines, eh bien. La floraison est un peu plus tard que d'habitude. Pour la région de Tokyo, le début de la floraison devrait être le 25 mars et la pleine floraison devrait être le 1er avril. À Kyoto et à Osaka, ce sera quatre jours plus tard seulement. Et enfin, à Hokkaido, ça commencera le 1er mai. Bien sûr, quand les cerisiers seront en fleurs à Yokohama et à Tokyo, je n'hésiterai pas à aller filmer tout ça et je vous proposerai quelques vidéos pour vous montrer à quel point c'est magnifique. Mais en attendant, je vais profiter de cette annonce pour vous donner quelques informations sur les fleurs de cerisier. Je pense que la plupart d'entre vous les connaissent déjà, mais peut-être que certains d'entre vous apprendrons quelque chose. Alors tout d'abord, il faut savoir que les sakulas, donc les cerisiers qui donnent des fleurs qu'on va admirer, et eh bien, sont présents sur tout le territoire japonais. Et comme le climat est très différent d'une région à l'autre, hein, du sud au nord, et eh bien, la floraison s'étale sur plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Deuxième chose, on me pose la question de temps en temps, à savoir, est-ce que ces cerisiers produisent des cerises Eh bien, non. Les sakula qu'on admire, ce sont des cerisiers ornementaux, donc ils ne produisent pas de cerises. Il existe évidemment des cerisiers qui produisent des cerises, mais ce ne sont pas les mêmes qu'on va admirer dans les parcs, au bord des rivières ou ailleurs. Troisième information, c'est qu'il n'existe pas seulement une sorte de Sakula. Évidemment, il y a plusieurs types de Sakula. Donc il y a notamment des sakulas qui fleurissent très tôt. Les Kawazu sakura pour ne citer que, eh bien fleurissent dès la fin février. Et donc on peut déjà admirer leurs couleurs fin février dans certains endroits de Tokyo ou dans certains endroits du Japon. Et comme il y a plusieurs sortes de sakula, eh bien il y a plusieurs couleurs de fleurs. C'est pour ça que vous pouvez voir des sakulas avec des fleurs blanches ou avec des fleurs roses. Voilà pour ces quelques infos sur les sakulas, j'ai vraiment hâte que la floraison commence et d'aller faire des pique-niques pour vous montrer tout ça. On termine aujourd'hui en parlant de cinéma et du film Drive My Car. Donc, qui a été nominé donc aux Academy Awards aux États-Unis. Le film a été nominé dans quatre catégories, donc évidemment dans celle du meilleur film étranger. Ensuite, je crois si j'ai pas de bêtises dans la catégorie de la meilleure adaptation, ensuite le meilleur réalisateur et chose extraordinaire, c'est la première fois pour un film japonais et eh bien dans la catégorie du meilleur film tout court. Le film avait déjà reçu le prix du meilleur scénario à Cannes l'année dernière et il a reçu le mois dernier le Golden Globe Award du meilleur film non anglophone. Le film est une adaptation d'une nouvelle de Haruki Murakami, le célèbre auteur japonais, et il raconte comment un homme qui est acteur et metteur en scène va être un peu confronté à son passé et au mystère laissé par sa femme qui est défunte et de sa relation avec une personne qui lui est assignée pour le conduire. Pendant quelques semaines, dans le cadre de son travail. Alors, si vous êtes comme moi et que ce film vous intéresse, eh bien, attendez un petit peu parce que j'ai commencé à regarder le film, j'en suis seulement à la moitié, mais pour l'instant, c'est pas foufou. Je comprends pas trop vraiment pourquoi tout le monde s'emballe. C'est très long, il y a beaucoup de longueur, ça met beaucoup de temps à commencer, et puis ben, les acteurs, je les trouve pas très expressifs pour l'instant. Donc, si la dernière moitié du film est vraiment extraordinaire, je vous en reparlerai, mais. A priori, je suis assez sceptique. Alors, donnez-lui quand même sa chance. Hein. Peut-être que ce film ne me plaît pas, mais qu'il vous plaira énormément. Et puis, les critiques sont vraiment très, très bonnes. Mais en tout cas, personnellement, je ne vous le recommanderai pas. Voilà, c'est tout pour ce petit journal du Japon. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas. Mettez un petit like et partagez. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour plus d'infos sur le Japon.